bonjour. Ou bonsoir, bonsoir, je dirais bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comment nous, je dis bien. Salut nous toutes. Et maintenant là, le final, les amis, ça cassé. Casal, si monsieur Ina Gimio là, Redou là, Moria, Miria, ça crée que les baptisés, bam, fais live là, vous. Et comment nous, tout le monde, salut nous toutes, toutes les amis qui là, maintenant là, nous, déjà qu'on est. Et on va continuer à parler là avec nous. Ray, avec passé camarade. Et quelqu'un qui va dire peut-être pour qui raison, je vais demander peut-être pour qui raison et sujet ça me choisit matin. Et sujet ça me choisit parce que je dois choisir un autre sujet qui beaucoup plus en rapport avec l'actualité pays. Et nous allons voir les raisons de choisir. Et puis devant, nous allons voir les raisons du fait que je choisis. La mort. Faut pas gagner non, man. Ou gagner trop souvent. Bon, Mackenzie, ça va dépendre de ça. On ne peut pas gagner. Si gars y a pour sinon c'est la conception haïtienne. Ça vous doit comprendre ça veut dire gars. Parce que sous pas gars sur cheminement pensible. Avec dire toujours confondre comme gars parce que bon cadre restreint. Parce que peut-être cheminement on va un cadre yo défini pour capable produire une réflexion. Il doit son cadre qui est extrêmement étroit et qu'on y a relé on l'autre bagaille sans pas comprendre le gars parce que apprendre nous réfléchir en cette façon. Maintenant ça encore c'est une question de perception. Et de compréhension. So basically, nous comprenons ce dit parce que si l'esprit pas qu'à suivre, ça m'a dit on va considérer comme gay parce qu'on un formalisme excessif qui dans l'esprit ou qui au conformé brain nous pour dire mais comment on monde parler qui pas gay. Avait dit ou parler ou dire on bagaille déjà on est en poser un problème philosophique. So basically, ou avancer un bagaille qu'on va jamais questionner ou qui doit pas ou parler de gaï, mon pas j'aimerais nous compte que si c'est pas l'esprit ou qui gaï. C'est-à-dire que si tu as fait une autocritique, tu dois produire une réflexion sur propre compréhension et conception de gaï. À partir de là, tu dois déterminer qui sont en train de pas gaï. C'est déjà, ouais. Moi, quand même, commencé petit cours philosophie avant, ou get up, yon sujet pour m'élaborer. Bon, anyway. So, m'salut, anyway, et welcome dans la classe là. Et m'va dire nous tout d'abord que et coup ça m'va dispenser lecture ça m'va faire coup ça m'va dispenser matin là gien moun ki doit déjà gien des notions de base en philosophie avant gien moun gien des notions de base en philosophie ça ou même a parler de la philosophie et occidental. C'est-à-dire, dans pile monde, la majorité de nous, haïtiens, étant initiés déjà à la philosophie occidentale. Et à la philosophie occidentale, c'est-à-dire que nous connaissons, nous initiés à la philosophie grecque, nous avons parlé de Platon, nous avons parlé de Socrate, nous avons parlé d'Aristote, nous avons quand même parlé de grands courants philosophiques qui ont marqué. Et l'antiquité grecque, on va quand même parler de la scolastique, on va quand même parler de la philosophie classique pour nous arriver jusqu'à la philosophie avec les modernes et même entrer dans la philosophie contemporaine. Bon, tout ça inscrit dans le cadre de la philosophie occidentale. Et il faut faire très attention, pas oublier que. Raison qui fait mini avec texte d'introduction critique. Le mot clé,
Le mot clé dans le sujet que je vais développer, c'est le mot critique là. Maintenant, elle me dit introduction critique à la philosophie haïtienne. Bon, vous voyez, je choisis de formuler le sujet comme ça, c'est parce que j'ai besoin de susciter la curiosité nous la gagne. Et stimuler penser nous pour nous essayer poser tête nous la première question: existe-t-il une philosophie haïtienne? Maintenant, d'abord il faut au moins partir de un postulat pour me dire bon, au moins nous avons une idée de ce qu'est la philosophie. Maintenant, parler de la philosophie haïtienne, ça encore ça c'est autre chose. Ça veut dire si au moins tu as existé une philosophie haïtienne, à quel moment de la durée que philosophie ça a été construit. Et quels sont qui cadre référentiel que philosophie haïtienne a été gagné et journée aujourd'hui qui utilité philosophie haïtienne ça dans notre compréhension du réel haïtien. Tout ça ce sont des questions extrêmement fondamentales parce que nous sommes une nation qui gagne à peu près plus de capable dire seulement 2 siècles et quelques décennies depuis nous exister. Mais ça n'empêche pas pour autant que nous sommes capables de dire est-ce qu'il y avait un noyau de penseurs qui était articulé une forme de pensée philosophique que nous sommes capables de classifier, catégoriser de typiquement haïtien. Maintenant, pour ce qui a trait à l'introduction, je dis l'introduction. Ce n'est pas l'introduction à la philosophie haïtienne, mais j'ai dit l'introduction critique. C'est-à-dire que j'assume, en quelque sorte, qu'à partir de l'ensemble des données littéraires et même les écrits et les ouvrages des penseurs haïtiens que nous avons dans le, bien entendu, dans le virtuel haïtien, nous sommes capables de dire que nous gagnons déjà un ensemble de bagage intellectuel à disposition nous qui permet nous bien entendu réfléchir sur question philosophie en Haïti. Maintenant, nous sommes pas les premiers, il y a peut-être que te gen doit gen divers courants qui traversent 19e siècle et 20e siècle en Haïti, les 2 siècles majeurs de l'histoire de notre pays. Maintenant, courant ça yo gen un courant historiciste non que qui a des historiens qui en quelque sorte ont produit des réflexions sur la réalité haïtienne. Et gon l'autre encore, bien entendu, qui c'est peut-être approche anthropologue et ethnologue, qui beaucoup plus calqué sur, bien entendu, la culture haïtienne en tant que telle. Et d'autre part, nous venons gagner le courant littéraire. Maintenant, t'aimes dire nous bien. Et ça m'a dit à l'alba pour tout le monde. Et pas pour tout le monde pour la simple et bonne raison. Tout d'abord, ce que ça nous considère Haïti comme intellectuel, là, ce sont des colonisés. Ce sont des colonisés, mais des colonisés au niveau de la pensée. Et c'est ça m'a le montré, nous, là, je dis à la. Quand je dis des colonisés au niveau de la pensée, c'est que la pensée philosophique haïtienne, telle qu'elle est comprise dans le prisme de la réalité haïtienne, elle est aliénée. Aliénée dans le sens que c'est pas une pensée qui est libre, qui est consciente d'elle-même. Qui est consciente d'elle-même de la mesure où mode de production et les outils opérationnels qui permettent à ces auteurs pour y arriver à coucher philosophie sa conception de réalité haïtienne, n'ont pas échappé, bien entendu, à la domination occidentale, c'est-à-dire au poids de la pensée occidentale, de la philosophie occidentale. Maintenant, vingon gros problème d'identité. C'est la raison pour laquelle, au départ, moi dit, est-ce qu'il y a une philosophie haïtienne? Et nous sommes capables de remarquer tout au cours de ces 2 siècles, 19e et 20e siècle, pensée haïtienne. Non, tu as du mal, bien entendu, pour l'affirmer, parce que tu as un problème d'identité qui posait. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, il existe toujours cette crise identitaire que la pensée haïtienne a confronté, et la difficulté, bien sûr, pour cette pensée, pour le capable d'émerger et imposer au niveau
dans l'arène mondiale et internationale en tant que pensée respective, c'est parce que nous sommes encore au stade où colonie, les forces coloniales, bien entendu, au niveau de la pensée, c'est-à-dire les poids théoriques, les poids philosophiques, les poids axiologiques même, en termes de valeur, yo pesé au niveau de la pensée haïtienne. Ce que je veux dire par là, c'est que tout nèg nou qui majorité écrit en Haïti, tout auteur nou qui livre nous gagne comme cadre pour nous capable percer la pensée haïtienne, nous capable dire que tout nèg sa yo yo étudié dans des universités occidentales. Maintenant là étudier dans les universités occidentales, nous doit penser son bagage simple. Pas rien de simple là-dedans. C'est-à-dire que yo soumettre l'esprit yo, yo entrer dans les universités occidentales et yo soumettre l'esprit yo à ce qu'on appelle l'ensemble des connaissances et l'ensemble des valeurs véhiculées par les universités occidentales. Maintenant, il faut comprendre que ce que j'entends par là, je veux dire que les universités occidentales, dans la dispensation de l'ensemble des connaissances qu'il y a à travers des curriculums qu'ils ont mis en place, ce ne sont pas des universités neutres. Ce ne sont pas des universités neutres et c'est parce qu'ils n'ont pas neutres qui fait que des pays qui ont défini des rapports antagonistes avec l'Occident, tels que la Russie, tels que les pays de l'Euro asiatique, yo construit propre université par yo, avec curriculum qui correspond avec valeur yo, vision yo et propre conception de réalité pays yo. Ça ne veut pas dire pour autant, vous ne pouvez pas entrer dans une dynamique d'échange, de compréhension, comprendre pour essayer de comprendre la pensée de l'autre. Parce que c'est la seule façon pour pénétrer l'autre dans ce qu'il est en tant que tel, dans son ontologie, c'est à travers sa pensée, c'est-à-dire pour cerner le niveau de conscience que et l'autre a de lui-même. Maintenant, le problème qui se pose, si nous posons des questions à nous-mêmes, l'ivine pratiquement problématique. L'ivine problématique dans la mesure où ce ne sont pas les Haïtiens en tant que tels qui sont les premiers et bénéficiaires, bien entendu, de la pensée que nous sommes capables de qualifier de haïtienne. Tous les écrits, les ouvrages qui ont été publiés ou bien édités au cours des deux siècles qui sont passés, ils n'ont pas arrivé à toucher la réalité haïtienne, ils n'ont pas arrivé à toucher la majorité des Haïtiens. Maintenant, on peut poser la question à leur, bien entendu, leur utilité, leur bien fondé. Pour qui raison m'écrire un livre maintenant, alors que me connaît le livre, ça n'a pas arrivé toucher tout le monde, toute couche en dedans société haïtienne, non, pour la simple bonne raison, parce que nous avons une conception tout à fait étroite du réel haïtien. Et maintenant, le problème qui se pose, pour aller plus loin, pour avancer dans ça n'a bien, pour qui raison nous soulever de façon critique. Critique, c'est par rapport à quoi? Par rapport, bien entendu, au poids de l'Occident, de la pensée occidentale dans le réel haïtien. Maintenant, on ne nous doit d'accord, on ne doit pas d'accord, mais on seul bagage nous pas nier, ou pas nier que au niveau de la pensée, on est encore colonisé. La preuve, sous besoin de preuve, ma bonne preuve. Un, majorité livres que nous écrions, les écrits dans la langue française. Maintenant, c'est-à-dire l'instrument majeur pour véhiculer les pensées. C'est-à-dire, c'est le français en tant que tel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de traduire, mais c'est parce que dans la réalité quotidienne haïtienne, langue qui prédomine, ce n'est pas le français. C'est-à-dire que si on a véhiculé une pensée en tant qu'intellectuel, maintenant, on a véhiculé une pensée ça, ou produit une pensée, on a véhiculé pour la réalité, c'est-à-dire on a produit une réflexion sous la réalité, le réel haïtien, me penser maintenant, la première chose à faire, il faut commencer, bien entendu, par réfléchir sur l'outil ou besoin pour capable faire penser au là, river joindre tout le monde. C'est déjà un premier problème que nous soulevons. C'est ça, on a commencé à parler de critique là. On a parlé de introduction critique à la philosophie. Deuxième élément m'a parlé, c'est que c'est le mode opératoire. Et mon mode opératoire là, les problématiques pour qui raison? Parce que l'ensemble des méthodes ou bien de techniques que nous gagnons, ce sont des méthodes et techniques enseignées toujours par l'Occident. Maintenant, on est capable de dire que technique là en soi, elle est neutre.
Mais la technique est capable neutre, mais la conception de la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire que comment nous comprendre la technique là, et la finalité technique là, n'est pas neutre. Parce que là encore, ou non domaine philosophique. Ou non domaine philosophique. Et si la technique là, en quelque sorte, pas correspond avec la conception, nous réalité, nous, je ne comprends ni, là, là, pas une problématique. Moi, je vais vous un exemple. Très simple. Ou pas qu'à courir parler des machines. Les Occidentaux, ils ont inventé machines. Ils ont créé machines à deux roues. Ou qu'ils doivent avoir une voiture, ou bien une bagaille, ou go machines à roues. Okay? Mais ok, ils ont utilisé une technique que ils ont fait une machine. Mais il faut remarquer que avant de développer machine, yo vin avec yo créer machine, yo rend yo compte yo vin gen un problème fondamental qui posé pour yo. C'est-à-dire yo conscient que à un moment donné distance qui gagne avec route qui gagne dedans pays, faut yo jwenn un moyen de transport. C'est-à-dire que yo pas considérer machine seulement comme un moyen de transport, mais machine lui-même en quelque sorte il répond à une exigence philosophique. C'est-à-dire, pour yon déplacer de un lieu à un lieu, yon obligé utiliser yon machine, yon vin wè nécessité pour machine nan, parce que li assure yon un minimum de confort. C'est-à-dire, le yon fait machine nan, yon à la recherche de yon bien-être, yon à la recherche de ce qu'on appelle yon bien-être. Yon besoin vivre et déplacer de façon beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que yon pas créé machine nan, yon pas vini, yon pas réfléchi sous technique pour mettre machine nan juste pour machine nan, yo pas faire machine nan tourner yon fin en soi, mais yo vinn wè nécessité pour yo faire machine nan parce que yo gon quête permanent yo derrière qui c'est le bien-être, c'est-à-dire yo y a chercher ça relé happiness, y a chercher joie, y a chercher le bonheur, et machine nan pral tourner un instrument qui pour permettre yo arriver joindre minimum de bonheur ça a chercher nan quatre déplacements yo. Vous comprenez? Dans quatre déplacements, yo. C'est-à-dire, si vous te comprenez, on a deux temps pour voyager à pied ou bien à cheval, vous venez non seulement vini réduire sous temps par rapport à la machine, nan, mais la machine nan aussi améliorer les conditions de vie. C'est-à-dire, la finalité de technique là même, nan, la finalité de machine nan, en tant que telle, c'est apporter une sorte de satisfaction. Une satisfaction au bien-être et améliorer les conditions de vie de Mounio. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que je ne vais pas faire seulement comme ça, je vais faire un cadre qui correspond à la réalité. Ok? C'est-à-dire que je tiens un cadre bien défini et à partir de cadre, ça, je produis une réflexion et à partir de réflexion, ça, je invente des outils techniques pour être capable d'améliorer les conditions de vie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, les outils techniques qu'ils ont inventés, les neutres, parce que les outils, peut-être pas, mais conception des outils, les baganés. Parce que conception, c'est conception vini à partir de une compréhension de réalité. Conception baganés. Alors, maintenant, il faut comprendre que, je vous dis, si n'a importé machine dans le pays d'Haïti. Écoutez bien ce que je dis. Elle a dit qu'il parle d'une pose l'autre plus gros problème dans notre réalité. Si nous entrons dans une dynamique commerciale pour n'a importé machine en Haïti sans que nous pas poser une question fondamentale qui c'est une question philosophique. OK, qui ça va chercher l'importé machine là? Maintenant, si m'a cherché améliorer bien net moins dans la société haïtienne dans le cadre que m'a vivre là. Maintenant, est-ce que importer machine nan, en dedans réalité ça que m'a vu nan, est-ce que c'est la meilleure façon pour me résoudre problème et problème ça, problème philosophique ça pose là. C'est-à-dire que si pas gen moun ka produit yon réflexion, c'est ce qu'on appelle la pensée. Si pas gen moun ki pou pose yon réflexion solide qui allait dans le sens bien entendu de bien-être collectif et qui prend en considération cadre réel haïtien à développer a n'a toujours metté tête nous dans position côté que n'a imposé un ensemble de techniques de valeurs que on l'autre pays fait et puis nous importer dans réalité pas nous et en d'autres termes la vinn
la vin tourner yon source de conflit au lieu li améliorer condition nous li plus poser problème qu'elle résout problème li plus poser problème qu'elle résout problème et ça vin ou tourner l'autre encore yon l'autre prolongement nan cadre bien entendu ça relé colonisation au niveau de la pensée. C'est-à-dire ça vient réduit sur capacité nous pour nous produire réflexion. Ça veut dire. Ça veut dire que si importe yo marchandise dans quelque sorte au lieu pour m'ta produire marchandise dans en fonction de réalité moi, en fonction de besoin moi, en fonction de conditions d'existence moi importer yon l'autre côté. L'aime importer l'aime pas seulement importer une marchandise, moi importer une conception tout. Moi importer une certaine vision des choses. Moi importer un symbole, c'est-à-dire qui moi importer une énergie. Et c'est ça en pile moun pa comprenn. Et à ce niveau, li pral vin source de problème de la mesure où même produit nous importer, c'est une identité que nous importer. Parce que nous produisons porter marque pays qui fait là. C'est-à-dire que ou importer un produit, mais bon produit qui neutre, produisant reflété yon réalité, li reflété yon certaine vision des choses, c'est-à-dire ou importer, ou pas importer une machine, ou importer aussi les États-Unis. Si m'importe Ford, si m'importe une machine qui pote Mac Ford, m'pa importer seulement yon machine, m'pa importer seulement yon moyen de transport, mais si ma produit réflexion nan pi loin, moi importer ce qu'on appelle moi importer la conception des États-Unis par rapport avec machine, comment yo concevoir machine, moi importer Ford. Ça veut dire moi importer Ford tout, c'est Ford là m'importer en dedans pays. Et c'est ça fait ou dit Ford là lui-même li inscrit tête li non cadre national spécifique, l'on importer ou pas seulement importer marchandise là, mais ou importer valeur pays ça tout en dedans pays, en dedans réalité pour là qui sont forme d'alignation. Maintenant, deuxième élément pour nous apprendre à considérer, c'est que pour nous arriver à émanciper réellement, en tant que peuple libre, il faut que nous arrivions à émanciper au niveau de la pensée. Alors, il faut comprendre que pour émanciper au niveau de la pensée, il faut entrer dans une dynamique à rompre avec ce qu'on appelle le prolongement, bien entendu, de la pensée occidentale et d'une façon particulière de la pensée française. Ça me le dit pas là. Et si vous faites un bagage, vous devez épouser tête ou. C'est ça que fait, vous commencez avec Socrate. Socrate dit le connaître toi-même. Le connaître toi-même, c'est pas seulement, c'est le principe de base dans toute réflexion philosophique. C'est-à-dire que si vous produisez yon pensée philosophique. Si vous produisez une réflexion autour de yon réalité, par exemple le réel haïtien, il faut au moins, moi-même qui produis réflexion sur la réalité haïtienne, il faut que au moins je suis conscient de moi-même. C'est-à-dire que c'est une conscience qui réfléchit. C'est pour ça qu'on dit que je réfléchis, mais ce je-là, c'est une conscience qui doit réfléchir. Mais du moment que la réflexion n'est pas le résultat d'une conscience, c'est-à-dire que la réflexion est aliénée, la réflexion est esclave, la réflexion est devenue un outil de véhiculation de ce qu'on appelle le prolongement, bien entendu, de la pensée de l'autrui, de l'autre. Et tout ça, les fondamentales, les problématiques, et c'est un problème qui gagne. Lorsque nous avons des hommes qui se disent intellectuels, ils sont entrés en Haïti avec des diplômes étrangers. Ce qui en soi n'est pas un mal. Ils sont entrés en Haïti avec des diplômes étrangers et puis ils ont dit qu'ils ont produit une réflexion, bien entendu, sur la réalité haïtienne. Maintenant, ce dont il est question ici, c'est que ces hommes-là, ces intellectuels dotés de doctorat ou de master, whatever it is, à un moment donné, ils n'ont pas pu produire une réflexion sur eux-mêmes. C'est-à-dire sur l'ensemble des connaissances et accumulées à l'étranger. Alors qu'avec même bagage, ils ont chargé d'énergie, ils ont entré dans la réalité haïtienne.
Toi, fais très attention. Ouais, ça m'a dit nous là. Ça m'a dit nous là, c'est un bagage purement hautement philosophique. Et ce n'est pas bagaille qui a vingé là pour nous venir jouer. Ce n'est pas bagaille Lavalas, ce n'est pas bagaille Aristide, ce n'est pas bagaille PHTK niveau et président Ali, ni qu'un président qui là. Parce qu'on est en train de reproduire une réflexion sur ce qu'on appelle la pensée haïtienne. Et comment nous sommes capables d'émanciper la pensée haïtienne pour nous rendre, bien entendu, libre et indépendante et beaucoup plus consciente de lui-même, de réalité. Parler en soi, c'est une activité. C'est-à-dire que, du moment que vous venez arriver dans un point, pour parler, il faut qu'on parle dans une langue. Comprenez bien ce que je dis là. Mais pour parler, c'est une activité. Mais on ne parle pas pour parler. On parle pour transmettre quelque chose. On parle pour communiquer. Et communiquer en tant que tel, voulait dire que je. Un genou on terrain c'est ça fait un communiquer ou genou un mot clé qui c'est racine qui c'est commun, c'est-à-dire pour échanger un message à l'autre monde faut un terrain commun, c'est ça communiquer, c'est l'action de trouver quelque chose de commun pour nous capables échanger, c'est ça le communiquer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le communiqué ne veut pas dire seulement transmettre un message, mais pour transmettre un message, il faut au moins que l'autre interlocuteur soit en mesure pour le capable d'arriver à comprendre et cerner le message que vous voulez communiquer, vous voulez passer. Ceci étant dit, il faut faire très attention avec les outils que vous avez utilisés pour communiquer. D'où l'importance de la langue. C'est-à-dire, comme la langue est un fait culturel, comme élément de culture, c'est-à-dire que la langue que l'auteur épousait pour le transmettre pensée, pour le véhiculer message là, langue que l'utilisait pour le véhiculer message là, la langue en soi n'est pas innocente. C'est-à-dire que c'est choix langue là en quelque sorte qui pourrait dire à un certain niveau que l'auteur est conscient de messages que le poil transmettre là. Attention, lorsque Descartes Campelli dit je pense donc je suis, tout problème Descartes est venu rencontrer, c'est pas le fait que Descartes a pensé. Alors on a questionné le rationalisme de cartésien. C'est pas le fait que Descartes a pensé, l'activité de penser, c'est pas ça le problème. Mais c'est le fait que Descartes dit « je pense ». Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire que il faut se poser la question à savoir « mais qui est ce « je » qui pense ?» C'est-à-dire que c'est en même temps le « je » qui dit que « je pense ». C'est Descartes qui dit que « je pense ». Mais quel est ce « je » de Descartes qui pense ? C'est-à-dire que Descartes, à un moment donné, avant le produit réflexion, ça dit, ça dit, elle est avancée, ça l'avance. Les guettants font un travail de quête, les guettants font une quête sur lui-même, que Socrate te dit le connaître toi-même. C'est-à-dire que Socrate est quatre parties de ce qu'on appelle une conscience. C'est-à-dire que c'est une conscience qui pense. Et c'est le fondement même du rationalisme cartésien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être rationnel sans la dimension de la conscience. Ou pas qu'à produire raison sans conscience. Et vous voyez que le rationalisme comme fondement en matière de science, et ou pas qu'à gagner, ou pas qu'à produire pensée, en pensée rationnelle, sans que au moins ou pas conscient de vous-même. Tout d'abord, nous posons un problème fondamentalement subjectif. Pour quelle raison? Parce que ce jeu-là est subjectif, mais la pensée peut être objectif parce que la pensée ne se porte sur un objet quelconque. Hein? Descartes dit je pense donc j'existe, mais Descartes n'a pas dit je pense à quelque chose. Descartes a dit tout simplement je pense. C'est-à-dire le fait de pour entrer dans activité penser à seulement lui attribuer à l'existence. C'est-à-dire l'activité de penser, l'activité de produire une réflexion et déjà c'est ce qu'on appelle une est lié à l'existence. Mais qu'on problème qui posait?
Mais un gros problème qui posait, si des quatre mariés, la pensée à l'existence, le fait de penser à l'existence, c'est que ce que Descartes n'a pas pu toucher, c'est le fait que c'est une pensée consciente. C'est une pensée consciente qui peut être attribuée à l'existence. Une pensée qui n'est pas consciente de ça, de son existence. Écoutez bien, une pensée qui n'est pas consciente de son existence, c'est une pensée aliénée. Maintenant, c'est quoi l'existence? L'existence, ce sont, en quelque sorte, c'est le fait de réfléchir. C'est le fait d'être. Ça veut dire, moi, être dans une condition spécifique. C'est le fait que là, vous comprenez, m'a fait face avec des réalités. C'est ça l'existence. L'existence, c'est la réalité. C'est la réalité, ce qui, ça qui défend, non. C'est l'immanence. C'est ça l'existence. Et c'est l'existence qui est à la base, bien entendu, de la conscience. En d'autres termes, c'est parce que m'exister et m'conscient de l'existence, moi, qui fait me produire une pensée sur mon existence. Mais attention, parce que là, il est fondamental pour me comprendre. Maintenant, pour m'arriver produire penser ça, il faut que je sois conscient. C'est-à-dire, je dois partir à la recherche de moi-même, de ma subjectivité. C'est-à-dire, avant de porter une réflexion sur ma condition d'existence, je dois partir à la recherche de ma subjectivité, de mon sujet, de ce que je suis. Maintenant, c'est la problématique fondamentale par rapport à la pensée. C'est-à-dire que là où mon envie ni lui dit comme ça que lycéen intellectuel là l'étudier à l'étranger et puis l'écrit un livre malgré l'écrit le livre là dans la sur la réalité haïtienne, attendez bien ce que je dis, oui, malgré l'écrit le livre là sur le réel haïtien, il pas qu'à apporter solution qu'il t'a supposé apporter. Pour quelle raison? Parce que l'auteur produit le livre là, mais il n'est pas conscient de lui-même. Il n'est pas même conscient de lui-même. Maintenant, l'on lit le livre en auteur. Ou lit le livre par rapport avec sujet auteur à traiter. Sujet à traiter. Si auteur a écrit sur la politique, on peut essayer de comprendre l'auteur par rapport avec l'objet que l'a décrit. Et ça, il faut pas le dire, monsieur Fort. Par exemple, si on a écrit un livre sur politique, comment politique fait, ou l'autre finit le livre, on va dire, qu'est-ce que monsieur Fort. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que le fait que le produit en réflexion sur objet ne dit rien de l'auteur. C'est-à-dire que le jugement porté sur l'auteur là, il n'a pas rien à voir avec l'auteur. Parce que l'auteur là lui-même, en tant que tel, qui c'est source principale, qui c'est lui-même qui produit réflexion, hein. Il n'a pas produit en réflexion sur lui-même pour le permettre ou comprendre lui-même. Il produit en réflexion sur un objet. Et c'est tout problème notre gars là. C'est-à-dire que si d'un côté n'a parlé de la philosophie haïtienne, il faut que nous comprenions maintenant au moins pour quelle raison nous besoin de philosophie. C'est-à-dire que est-ce que jour et jour hein, la philosophie en tant que telle, c'est-à-dire que Jean nous connaît dans la Grèce antique, l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, mais sagesse c'est son jugement. Mais jugement qui est allé dans le sens du bien. C'est-à-dire que c'est le fait qu'à chaque activité humaine, derrière ça qui est bien. C'est ça. Pour qui raison derrière bien en tant qu'être humain? C'est parce que je suis conscient que jamais fonctionné là, condition d'existence. Moi, il n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est condition d'existence moi, qui produit me réfléchir. Je ne pas réfléchir pour réfléchir. Je ne pas produit en pensée pour penser. Moi produit en pensée parce que je suis conscient que de moi-même qu'à vivre dans conditions d'existence. Et peut-être ça me réfléchit. Mais nèga lui-même en tant que tel. Les nèga sorti dans les grandes universités européennes, américaines, nord-américaines. Les vini produit en réflexion. Mais la produit réflexion. Ça y a pas apprendre ni. Yo pas apprendre monsieur réfléchir sous tête li. Et puisque yo pas apprendre ni réfléchir sous tête li,
Elle a dit pour chercher comprendre l'esprit, le jeu, pour prendre conscience de lui-même. Ensemble de connaissances, il y a bâillé monsieur, il y a fouillé dans la tête monsieur. Comme monsieur n'a pas connaissance de tête pâle, il vient un objet d'aliénation. C'est fondamental pour comprendre parce que les monsieur a pris connaissance là. Monsieur pas même rendu compte que le nom environnement culturel. Ça veut dire que lui juste chita dans l'université, hein? Mais il pas fait attention avec l'environnement. Il pas fait attention avec les valeurs qu'a véhiculé à travers enseignement la recevoir. Il pas prêté attention à elle parce que il faut être conscient pour prêter attention à elle. Elle a dit faut conscience ou éveiller pour prêter attention à elle. Pour connaître que ou non espace qui est étranger. Et puisqu'on a un environnement qui est étranger, condition ça, et espace ça, veille à conditionner mode façon à recevoir enseignement. Et le prêle affecter ou façon pour transmettre enseignement en Haïti. Et le prêle affecter ou façon pour transmettre enseignement en Haïti. Parce que enseignement ou recevoir non cadre, mais cadre là-bas neutre. Et c'est tout le problème qui se pose avec nos politiciens, nos intellectuels. C'est tout le problème qui se pose. Le cadre n'est pas neutre. Le cadre exprime, en quelque sorte, une certaine compréhension d'une réalité X bien spécifique qui conditionnait mode de connaissance. C'est-à-dire que l'ensemble des connaissances qui produit en Occident, ils produit à l'intérieur d'un cadre bien spécifique. So, basically, connaissance là, en soi, n'est pas neutre. La connaissance n'est pas neutre par rapport à sa conception. C'est-à-dire que connaissance là, en tant que telle, n'est pas une conception. Et connaissance là, il y a deux domaines majeurs. Toute connaissance qui gagne, connaissance là, produit sous deux bagailles. Le fait, d'un côté, ça où est le fait, hein? Et ce qu'on appelle les valeurs axiologiques. Le fait, ou capable de parler le fait comme un cadre, comme un élément fondamental dans démarche, dans méthodologie scientifique, là, parce qu'on est toujours dans le cadre naturel, c'est-à-dire de la science, on est à la recherche des faits, les faits, ce qu'on appelle. Mais notre compréhension ou notre conception des faits est très philosophique. Le fait, en tant que tel, n'est pas philosophique. Le fait n'est pas philosophique. Mais notre approche, notre conception du fait est philosophique. C'est-à-dire que, comme Mbral dit que ça c'est un fait, le fait que m'attribue au fait la valeur d'un fait, l'idée déjà philosophique. C'est-à-dire que c'est un choix que m'fait. Et choix ça que m'fait pour m'ré les faits ça, on fait, c'est parce que normalement, moins gagner ce qu'on appelle yon bagage axiologique la kay moins que m'attribue avec fait. Ça me le dit pas là. Pour m'bal mettre le piclet pour nous comprendre. Le soleil, c'est un fait. Ok? Mais si me dit le soleil se lève, ça c'est une compréhension, c'est une conception développée du soleil. C'est-à-dire, c'est une conception développée de un fait. Mais là, déjà, les problématiques. Les problématiques et le philosophie. Maintenant, est-ce que je vais accepter ça comme vérité? Ou problème? Parce que du moment qu'on entre dans la question vérité, c'est-à-dire la recherche de vérité, si me dit le soleil se lève, et tout le monde garde le soleil là, levé. Mais le problème qui se pose, le soleil là, par exemple, levé. C'est-à-dire que l'outil que m'utilise pour me transmettre, assumption ça qui se l'an, vient tourner un problème, est très problématique. L'aime du soleil là, levé. C'est-à-dire que au niveau du langage, même pour appréhender faire, il déjà pose un problème philosophique. C'est-à-dire le langage même, pour cerner le fait, il pose un problème philosophique. C'est-à-dire que c'est pas soleil là qui levé, mais moi accepter soleil là levé juste par rapport à avec ce qu'on appelle la langue. Puisque c'est à travers l'angle yo dim soleil a levé, c'est ce qu'on appelle la philosophie analytique et la philosophie du langage. Elle a dit que c'est l'angle qui dim levé en vérité. Mais soleil là, m'pas jamais rivé rendre moi compte si soleil a levé si soleil a pas levé, mais yo transmettre moi un message
à travers une langue, yo dit le soleil a levé. Mais soleil là en soi, m'pas ka prouver que le lever que le coucher. Mais langue là lui-même, li induit à langue comme fait culturel, attendez oui, comme fait culturel, li dit que soleil là est levé et à partir de là m'accepte comme vérité. Pas parce que me connais soleil a levé. Écoutez bien, oui, c'est pas une connaissance que soleil a levé. C'est pas une connaissance vraie que soleil a levé. Faites attention à ça, me dit, ah oui. Mais c'est l'angle qui dit que soleil a levé. C'est une langue qui dit que soleil a levé. Le soleil se lève. Mais et pas parce que c'est une connaissance vraie que soleil a levé, mais c'est parce que c'est une langue qui dit. Or, l'angle en soi, son fait culturel. Ou un problème, mais encore, son l'autre problème encore philosophique qui posait. C'est-à-dire que, moi, juste accepter dans la réalité à partir de la langue. C'est-à-dire que langue, peut-être pas, lui induit mou dans l'erreur. Langue, qui doit source de vérité, en même temps, tout langue, pour lui-même, qui doit source d'erreur, de mensonge. Et c'est ça qui fait soulever problème pour me dire comme ça. Le nèg la écrit livre, l'écrit non langue, li trans, li qui doit conduit, moun la véhicule le message là en erreur. Pour qui raison? Parce que le choix de la langue li pas neutre. Et c'est yon nan pire problème. Le nèg la vin étudier. Li étudier en France, au Canada, aux États-Unis. Le fin étudier nan langue là. Et puis, et li comprendre, li accéder à connaissance. Mais la véracité de la connaissance que l'acquérir là, li problématique. Pour qui résolve problématique? Parce que la connaissance en tant que telle, li gen deux dimensions pour aller gen connaissance morale, c'est-à-dire la connaissance du vrai et du faux. Elle a de la connaissance de la vérité. Il y a la connaissance, bien entendu, de bon et mauvais. La connaissance d'ordre éthique et valeur. Elle a dit que axiologique. Si nous essayons de comprendre bien ça, me dit là. Si ma produit une réflexion pour m'inculquer un bagage, c'est une langue moins utilisée. Même bagage dit que la langue m'a utilisé à l'inette. Pour qui raison pas net, m'a montré pour qui raison pas net. Je m'a parlé à Aro là, m'a transmettre, ça m'a transmettre là. Ou comprendre moi. Ou saisir pour qui raison saisir. Parce que nous avons commun, nous avons en commun. C'est-à-dire, nous avons culture commune. Parce que langue créole là, c'est un élément en dedans culture nous. C'est-à-dire, même connaissance que m'a transmettre ou wa, via langue, ça qui rend ni. Connaissance n'est beaucoup plus accessible pour vous, c'est parce que m'baoul non langue pas non langue maternelle là. C'est-à-dire que en d'autres termes, gagnon possibilité pour m'aider dans quelque sorte, pour me livrer. Pour me livrer. C'est-à-dire que en d'autres termes, le fait que m'dil non langue pas non, m'pose un problème d'ordre éthique. Pour qui raison m'pose d'ordre éthique? C'est-à-dire que m'pose un problème, est-ce que li bon ou mauvais pour m'bay sa m'a bay la nan langue maternelle la. C'est-à-dire que les puisque me transmettre li nan langue maternelle la, attendez bien, puisque me transmettre li nan langue maternelle la, ça veut dire que moi conscient de la de valeur langue là nan véhiculer message là. Comprenez bien, comprenez bien oui. Moi comprends, moi conscient de l'importance de la langue dans véhiculer message moi veux faire pas, n'en veux passer là. D'où moi pas qu'à faire passer message là, c'est-à-dire message là en tant que tel, il pas vraiment gagne portée en lui-même sans que langue qui accompagne là par une langue par une pour pas porter un jugement de valeur sur langue non. Est-ce que nous comprenons ça me dit là? C'est-à-dire que on pas qu'à porter un jugement sous connaissance que m'a transmettre là parce que outils que m'utiliser pour me transmettre connaissance là faut me réfléchir sur outils là d'abord
Femme réfléchir sur les outils là. Et c'est ça qui est important, oui. C'est-à-dire que, en d'autres termes, réflexion que je produis sur les outils là, pour me chercher à comprendre est-ce que les outils là bon pour me transmettre. C'est-à-dire que je cherche, ça montre que je suis en quête de votre bien-être, besoin bien, besoin. Ça veut dire, ça anime réellement, puisque me pose cette question, quels outils pour m'utiliser pour me transmettre un message là. C'est déjà un élément fondamental. C'est déjà ça qui montre que m'intéresse à vous. C'est déjà ça qui montre que moi prends en considération. C'est déjà ça qui montre que me valorise. Moi bon importance. Ça déjà que montre que moi ça déjà montre que moi aimé. C'est ce qu'on appelle l'amour de la sagesse. C'est-à-dire que le fait que m'a réfléchi sur qui moyen, qui outil pour m'utiliser pour m'bon connaissance là. Et pas connaissance là en soi qui m'a donné, non, mais le fait que m'ai t'a réfléchi sur qui outil pour m'ba ou qui langue pour m'utiliser pour me transmettre ou connaissance à ce qui pour libérer là, déjà là c'est philosophé, c'est-à-dire que m'exprimer à travers question ça une forme de l'amour, son raisonnement, son sagesse liée. C'est-à-dire que je besoin de transmettre une connaissance, un savoir qui pour libérer, mais langue moins utilisée, c'est lui qui dit que vraiment m'animer par un l'amour philosophique pour me libérer. Est-ce que nous comprenons ça, me dit là? C'est-à-dire que l'orgueil, il y en a qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, ils descendent en Haïti et puis ils écrit un livre en français. Comprenez bien, oui? Là, yon écrit livre là, en français, hein? Philosophiquement parlant, écoutez bien ce que je dis là, philosophiquement parlant, yon échoué, même les ça yon dit, yon connaissance là, yon mette dans le livre là, li bon. Ma prédit ça me dit, les nègres sont à l'étranger, en France, au Canada, ils finissent d'étudier, ils ont un doctorat dans le même. L'arrivé dans la réalité haïtienne, il dit qu'il va écrire sur le réel haïtien. Il va produire une réflexion sur le réel haïtien. Le fait que l'écrit livre là en français, sachant que 80% moun pas qu'on lit français, pas qu'on parle français, pas de niveau pour ça. Ça est un prouveau que philosophiquement parlant, il n'est pas à la recherche du bien-être collectif de l'haïtien. C'est-à-dire que il choisit directement, philosophiquement, il échoue parce que l'amour de la sagesse là, c'est-à-dire que le fait que tu as prouvé que le rien mes connaissances là, il y a une forme d'égoïsme qui manifestait la caille. C'est ça, oui, Socrate a dit connais-toi toi-même. Non. Puisque monsieur pas conscient de lui-même, de condition, il s'est échoué. Même les que livre son livre les au monde qui connaît pas les français l'île bien li ouais monsieur des connaissances dans domaine là même li échoué pour qui raison li échoué parce que d'après philosophie li adopté a li pas poser la bonne question pendant la pécule. C'est-à-dire li pas poser la question à savoir langue moi pour l'utiliser est-ce que c'est la bonne c'est le moyen. C'est le bon moyen, ouais, problème, ouais, c'est-à-dire aussi, il y a connaissance sur l'objet, il y a connaissance scientifique, mais il n'y a pas de connaissance en termes d'éthique. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à poser question, si, qui bon moyen? Est-ce qu'elle lit bien? Est-ce qu'elle a bien? Est-ce que son bon bagay? Est-ce que son bon bagay m'a fait? L'aime écrit en langue, l'aime écrit en langue française là alors que son réalité haïtien et 80% moun c'est créole yo parle. Ah, ça comprend ça me dire. Ça veut dire que moun nan li écrit en français c'est connaissance li mais li est aliéné aussi. C'est-à-dire la connaissance que la véhiculé a li aliéné pour li aliéné parce que pas correspond avec réalité culturelle. C'est-à-dire li pas épouser la langue.
Langue majorité peuple a parlé, c'est-à-dire langue culture noire, il pas épousé. C'est-à-dire que l'épouse langue côté le social, c'est-à-dire langue étrangère là, c'est-à-dire à ce niveau-là, il est lui-même colonisé et la connaissance qu'il véhicule est une connaissance aliénée. C'est-à-dire au niveau philosophique, monsieur aliéné, mais il pas jamais rendu compte que l'aliéné. Parce qu'il pas conscient de son aliénation. Maintenant, c'est un des plus gros problèmes qui gagne. Excusez-moi, m'gon moun qui vient côté là, sorry. M'va le côté là, m'va le prendre, m'a retourner avec nous. M'a obligé fermer live là, m'a retourner, gon moun qui vient côté. Sorry.